Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, des recettes spéciales fond de congélateur et on réalise ensemble une pizza rock'n'roll. Allez, c'est parti. Alors, voilà ce que Kevin a retrouvé dans son congélateur quand il l'a enfin dégivré. Donc ici, il avait deux fricandelles, un cordon bleu, un peu de fromage et un petit pot de bolognaise. Alors Kevin, à tout ça, il va falloir ajouter quand même un peu de légumes, hein, pas oublier. Donc, on a déjà préparé une belle petite salade verte pour donner un petit peu quand même de fraîcheur et d'équilibre, surtout dans le repas. Donc, un rouleau de pâte à pizza. Et là, regardez ce que je fais tout de suite, dès qu'elle sort du paquet, hein, je la prends sur les mains et sans hésiter, je l'allonge. Voilà. Et donc, Kevin, merci pour le pot de bolognaise. Je vais étaler tout simplement ici son reste de sauce bolognaise. Je vais mettre ici, hop, comme ceci, pour rester quand même assez équilibré dans l'espace. Voilà. Je vais prendre son cordon bleu qui a déjà été cuit. Et je vais tout simplement dans la longueur. Voilà, et je viens les mettre, ces morceaux, ici entre. Maintenant, je recouvre avec mon fromage. Vous commencez à trouver ça appétissant, hein. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends tout simplement la pâte et en l'étirant encore légèrement, regardez ce que je fais. Hop, je viens represser encore le fromage de façon à pouvoir pousser un petit peu. Et là, je tire et en tirant, je viens souder en fait. Hop, vous voyez? Hop. Donc, on a tout enfermé dans la pâte, ce qui va faire qu'on évite que ça accroche. Ici, dans le fond, un filet d'huile d'olive. Je prends un couteau fin et là, je viens, regardez, couper. Et une fois que j'ai coupé, hop, je le mets dans l'autre sens, tout simplement, dans ma poêle. Et ça, c'est à manger vraiment entre amis, entre copains, hein. Voilà, maintenant on va mettre ça au four pendant environ 10 minutes à 180 degrés. On va voir un petit peu. Oh, voilà, ça c'est exactement ce qu'on souhaitait avoir. Donc vous voyez, hein, on passe d'une pizza traditionnelle à pratiquement une sorte de gâteau salé. Hein. Et pour Kevin, hein, comme on lui a quand même conseillé tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il avait un petit peu dans son congélateur beaucoup de protéines, beaucoup de sauce, mais pas de verdure, un petit peu d'huile d'olive, un petit zeste de citron. Et là, pour manger, il n'y a pas plus facile. Une petite feuille de salade, un petit morceau de pizza fourré, on roule le tout et on croque dedans. Et je suis sûr que vous aurez envie de le refaire. Bon appétit !